Module 6, journée 2, lecture. Julie, la jeune acrobate. Tatiana est une gracieuse et jolie fillette de 10 ans. Elle est acrobate dans un célèbre cirque de Moscou qui fait une tournée en Europe. Tatiana fait son entrée sur la piste près du grand mât qui retient l'immense chapiteau du cirque. Au roulement du tambour, elle s'élance sur le tapis en multipliant les cabrioles. Elle se remet debout et plus lentement qu'un singe, elle bondit sur un escabeau. Ses mains se dressent. Son petit corps se tend, ses jambes sous le tutu s'allongent. Elle se renverse en arrière et fait une cabriole. Elle est debout sur le tapis. Les applaudissements du public font rebondir Tatiana. Un autre escabeau est placé sur le premier. Tout recommence. Puis vient un troisième, un quatrième. L'assistance se tait. L'angoisse est partout. Quand la jeune acrobate va-t-elle s'arrêter? Mais elle monte toujours plus haut et, de la hauteur où elle se perche, elle s'élance dans le vide à la renverse. Assez, assez! Crient les spectateurs. Mais ce n'est pas assez pour Tatiana. Les uns sur les autres, 10 escabeaux sont entassés. Cela fait une tour 3 fois plus haute que la pauvrette. Elle y grimpe. Tout le monde se tait. Tatiana est au sommet de la tour, toute droite. Elle regarde les spectateurs et puis hop, elle se renverse. Tombe, parcourt le vide, la tête en bas. Comme les autres fois, elle a su merveilleusement rebondir. Elle se lève souriante et multipliant les baisers. Je cherche dans le dictionnaire le sens des mots que je ne comprends pas. Ma, une longue pièce en bois. Chapiteau, une tente sous laquelle les cirques se présentent. Bondit, saute. Se perche, se pose, s'installe sur un endroit élevé. Je réponds aux questions. Première question. De quelle hauteur s'élance Tatiana pour terminer son numéro d'acrobate? Deuxième question. Sur quoi saute-t-elle et rebondit-elle? Troisième question. Quelles sont les réactions du public tout au long du spectacle? Quatrième question. Ces numéros d'acrobate sont-ils dangereux? Pourquoi? La réponse. Première question. Pour terminer son numéro, Tatiana s'élance de l'auteur de 10 escabeaux. Deuxième question. Elle rebondit sur des escabeaux. Troisième question. Le public aime les numéros de Tatiana. Les spectateurs applaudissent, ils se taisent, ils s'inquiètent.
Quatrième question. Oui, ces numéros d'acrobates sont dangereux. Parce que l'acrobate saute d'un endroit très haut.